Salut mes petits gourmands et bienvenue sur Cuisine en Folie. Une nouvelle préparation de base aujourd'hui avec cette recette de pâte brisée. Et pour la réaliser, vous allez mettre dans le bol du robot 250 g de farine. On creuse un puits dans lequel on va venir déposer 125 g de beurre pommade, un jaune d'œuf, 5 cl d'eau ainsi qu'une pincée de sel. On met en place la feuille du robot, on lance vitesse 1 pendant quelques instants pour éviter d'envoyer de la farine partout. Et puis ensuite, on passe de vitesse 2 et on laisse travailler jusqu'à ce que toute la pâte soit amalgamée. Petit à petit, tous les ingrédients vont se mélanger. Le but, c'est qu'il n'y ait plus aucune trace de beurre qui apparaisse dans la pâte. Quand la préparation est bien homogène, il ne reste plus qu'à venir la récupérer et la déposer sur un film alimentaire. On l'aplatit légèrement pour la prise au froid. On l'enferme bien et on va la déposer 3 heures au réfrigérateur. Naturellement, comme la recette pâte sucrée d'hier, je vous ai proposé ces recettes au robot, mais elles peuvent être naturellement faites à la main. Si cette recette vous a plu, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés !